là là les gars, putain comment je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. J'espère bien évidemment que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Il fait très beau en Bretagne, il fait un petit peu trop chaud d'ailleurs. Ok, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, dans ce colis, j'ai du Balenciaga. Dans ce colis, les gars, il y en a pour très cher. Pourquoi? Parce que j'ai commandé une sacoche pour remplacer celle-là. Je crois que ça fait presque un an là, hein, que je la mets tous les jours. Que ce soit même en moto, des fois je la mets par-dessus, j'ai l'air d'un gros gogol. Je sais pas où je la mettrais, je pense que je la mettrais ici, regardez. Pas mal ou pas? Pas du tout, au contraire. Et aussi un t-shirt. À la base, il devait y avoir une casquette en plus. Malheureusement, il n'y avait plus en stock, donc forcément, ils l'ont pas mise. On bat les couilles, frère. Et là, vous allez vous dire peut-être, le bouseux, tu vas vraiment faire une vidéo pour déballer deux articles? Ouais, les gars, ouais. Y'a quoi? Y'a quoi en fait? Y'a quoi? Non mais en vrai, les vidéos unboxing comme ça de fringues, vous aimez bien en général. Et moi, je kiffe les faire, donc je continue. Évidemment, je le dis, je le répète, je suis un débutant, un amateur, un mec qui n'est personne pour juger, hein, d'accord? Voilà, je préfère prévenir quand même, un petit... comment ils disent les youtubeuses beauté là? Petit climsigner, disclaimer, petit disclaimer, voilà. Les gars, ouais, c'est pas un placement de produit, hein, Balenciaga m'a pas contacté. J'ai vraiment acheté ça, plein tarif, bah je suis un peu un pigeon quoi. C'est parti les gars, on déballe ça? Ah oui, je vais quand même vous montrer avant, les gars, j'ai deux articles. En vrai, c'est mes chaussures préférées. On va dire mes deuxièmes chaussures préférées, après les Yeezy 700 grises, là, je sais pas quoi. Donc j'ai celle-là, édition Dubaï. Et ensuite, mon autre paire, que je n'ai jamais mis. Je l'ai eu gratos. Hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo Proba, vous vous rappelez, c'est Doc qui me les avait achetés. C'est les Balenciaga Track, je crois, ça se dit comme ça. Mais en fait, j'ai pas de style avec. Je les trouve un peu trop grosses, tu vois. On dirait pas, je vais aller sur un chantier. Bon les gars, Patrick, tu me ramènes le Ricard et ensuite tu t'occupes de la grue. Bertrand, la pelleteuse s'il te plaît. Ouais, nickel, comme ça. Voilà, mes deux seuls items Balenciaga. Et j'en ai racheté deux autres, c'est parti, on ouvre ça. Je crois que le t-shirt m'a coûté 300€ et la sacoche 900€. Ouais, en gros, il y en a pour un petit SMIC. Ça fait beaucoup là, non? C'est beaucoup, j'en suis conscient. J'achèterai pas ça tous les week-ends, ni tous les jours, ni tous les mois. Ce serait plutôt tous les ans. Là, c'est pour un petit peu fêter le déconfinement. Je me dis, j'ai travaillé comme un porc pendant 2 mois. J'ai gagné un peu plus d'argent parce que je travaillais plus. Les gens étaient chez eux, ils me regardaient plus facilement. Je me dis, je vais me faire un petit truc, je vais me faire un petit plaisir. Un petit plaisir. Allez, c'est parti. Ça fait pas classe, ça. Le luxe, c'est bizarre, hein. Le luxe, c'est la simplicité, je trouve. Par exemple, là, une boîte unie, grise, avec juste Balenciaga. Vous pourrez voir que c'est basique, mais non, en fait, c'est ça fait bander, en fait. Donc, c'est ça qui est impressionnant. Et là, les gars, vous allez, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés sur le site, mais le site Balenciaga, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. J'ai vraiment l'impression de retourner en 1840. Non, mais regardez, là, on est sur l'accueil du site. Voilà. Femme, tout, homme. Blanc et noir, basique. Là, tu cliques sur homme. Voilà. T'as pas d'image, t'as rien. Je sais pas, c'est qui a créé ça. Mais soit c'est un génie, soit c'est un abruti, mais je pense plutôt que c'est un génie. Après, tu choisis prêt à porter. Et ensuite, après, t'as les images. Donc, tu es obligé de faire 2 clics avant de pouvoir accéder à des petites images, tu vois. J'ai reçu aussi une enveloppe, les gars. C'est pas classe, ça, les gars. Une enveloppe? J'ai reçu une lettre de Balenciaga? Mais non. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, donc, il y a un récapitulatif. Donc, sacoche, 895€. T-shirt, 395€. Le tout pour 1290€. Plus 0 égale la tête à Toto. On ouvre ça. Le carton, t'as l'impression qu'il y a beaucoup. En fait, c'est comme les chips Lay's, en fait. Il y a plus d'air que de chips. Commence par quoi? T-shirt? Ouais, t-shirt. Il n'y avait plus en M, du coup j'ai pris en S. J'avoue que ça fait bizarre de dire ça sur une marque comme ça où le t-shirt coûte 400 balles. Mais au pire, je le renvoie, hein, au pire des pires. On va essayer tout de suite. D'ailleurs, petite surprise, pour les femmes qui me regardent, c'est maintenant votre moment. C'est maintenant. Ah, c'est mon rêve d'avoir un corps musclé, les gars. Je vous promets que c'est un de mes rêves. Mais bon, le problème, c'est que ça s'achète pas. Le t-shirt, je le mets, le voici. Oh, il est magnifique. J'ai pas pris en bleu, je l'ai pris en noir. Oh là 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 là. Donc normalement, c'est un oversize. Dites-moi si ça me va bien. Sur moi, les gars, j'ai le prix d'une PS4 Pro. Les vieux, ils voient ça en francs. Attends, mais là, sur toi, t'as plus de 150 000 francs. Et les jeunes, maintenant, ils voient ça en PS4 ou en PC, tu vois. En vrai, pas mal ou pas, les gars? En noir, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si faut encore faire ça, si c'est encore à la mode de retrousser les manches. Enfin, voilà, dites-moi en commentaire. Deuxième item. Ça, c'est ce que je voulais vraiment à tout prix. Ça fait un mois que je voulais changer de sacoche. Et ça fait un mois aussi que j'avais pensé à une sacoche Balenciaga. Mais sauf que je redoutais ce moment d'aller sur le site et de voir les prix. Donc, je retardais. À un moment, je suis allé. Je me suis dit, allez, je me lance. Tac, j'y vais, je prends. Je regarde pas le prix, j'achète. Tac, tac, tac. Il y a pas mal de choix en vrai. Il y a pas mal de choix. J'ai pris celle-là. Elle est en cuir normalement. Je l'ai pas encore vue. Vous êtes prêts? Est-ce que vous aimez bien? La vérité de la vérité de la vérité. Attends, mais. Cool.
Attends, j'espère qu'on peut régler, hein. Ouais, les gars. Ça va quoi? Ouais, nickel. Ouais, t'as vu, je suis en Balenciaga, mec. Ouais, j'ai un smic sur moi, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai du flow, ouais. Non, pas du tout. Pas du tout, mec. Ok, comme ça. Dis-moi pas qu'elle était au max. En fait, c'est une sacoche comme ça. On dirait un vendeur de donuts sur la plage. Non. Non, je veux pas comme ça, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Me dites pas que je me suis trompé. Je vais attendre de voir les commentaires avant de faire l'échange. Ça se trouve, je suis con. Au niveau des pochettes, les gars, on en a une principale ici. Toc. Bon, bref, les potes, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais pas chercher plus longtemps. J'essaierai de me renseigner sur Internet. Sinon, je regarderai les commentaires de cette vidéo. Bah, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, les gars, surtout, à vous abonner. Parce qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Donc, si c'est pas encore fait, on active la cloche et on s'abonne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, Simer. Abonnez-vous à la chaîne.